Ah, tiens, c'est quoi là-bas? Il faudrait que j'aille voir. Je suis sûre que c'est encore des surprises. En tout cas, je compte bien découvrir ce que c'est. Allez hop, c'est parti. On va voir ce que c'est. Waouh! On dirait un sac avec des LOL surprises à l'intérieur. Effectivement, His Royal Highness, tu ne t'es pas trompé. Ce sont bien des LOL surprises à l'intérieur. Et plus précisément, des LOL surprises de la série Garçon que je me suis procuré sur Internet. En fait, j'ai fait en sorte d'avoir trois LOL garçons différents. Et je vais tout de suite vous montrer lesquels j'ai pu avoir. Donc j'ai pu avoir Nightfall, du Club des Opposés, Deucey Dude, du Dance Club, et enfin, j'ai pu avoir His Royal Highness, du Glam Club. Voilà, donc ces trois poupées ont commencé à être déballées et il y a une quatrième LOL surprise garçon dont la première couche a été retirée, mais pas déballée, que je vous ai présentée dans la dernière vidéo, celle du lot de LOL surprise que je vais déballer dans les prochaines vidéos. Mais maintenant, commençons par déballer cette première LOL surprise garçon. Donc là, nous voyons une bouteille de couleur noire et blanche et des chaussures noires et blanches. Donc là, on va déballer ces surprises qui n'ont pas encore été ouvertes. Donc maintenant, ouvrons ces deux sachets surprises. Donc là, on a des lunettes qui ressemblent à celles de Nightfall. Donc on peut douter que c'est la boule de Nightfall. Et effectivement, nous avons bien Nightfall. Nightfall qui est tout brun, avec des yeux marron foncé, et ici, sa tenue. Donc un haut noir avec un squelette dessiné devant, et un beau pantalon noir et blanc. Donc là, nous avons la bouteille, avec le même design que le pantalon, et des chaussures noires et blanches. Donc le voilà, tout habillé. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il a un super look. Avec sa coupe à la façon punk, ça lui donne vraiment un style. Et maintenant, on va lui enlever ses lunettes et on va voir à quoi il ressemble sans lunettes. Et voilà le regard de Nightfall, très expressif. On aurait dit que c'est un garçon qui a du caractère et qui ne se laisse pas faire. Voilà pour Nightfall. Donc on continue le déballage de ces poupées pré-déballées, on va dire. Et là, on a la bouteille de Deucey Dude. Donc regardons ce qu'il y a dans cette boule. Le voici, Deucey Dude, le cowboy du Dance Club. Donc là, on va voir s'il est dans cette boule. Et là, on aperçoit ses chaussures. Plutôt, ses bottes de cow-boy. Donc là, on va déballer cette surprise. Et on va ouvrir ce sachet de LOL surprise. Et on découvre la tenue de Deucey Dude. Une belle chemise de cow-boy. Et un beau jean avec des motifs qui nous font vraiment penser à un vrai cow-boy. Donc là maintenant, on va ouvrir sa boule surprise et découvrir normalement
la poupée de Doocy Dude qui se trouve à l'intérieur. Donc là, nous avons aussi une autre surprise, plutôt deux autres surprises, que nous allons découvrir dans un instant. On retire toutes les surprises de la boule et on va tout de suite ouvrir l'une de ces surprises. Donc là, on obtient un foulard bleu. Le foulard bleu de Doocy Dude qui est attaché autour de son cou comme un cow-boy. Là, on va ouvrir la prochaine surprise. Et là, on obtient un beau chapeau de cow-boy de couleur toute blanche avec des motifs rouges et dorés. Donc là, normalement, c'est la poupée de Doocy Dude. Donc le voici, c'est un beau garçon avec des yeux bleus. Et là, on va l'habiller. Et le voici tout habillé. Donc avec sa tenue, ses bottes, sa bouteille, son foulard et son chapeau. Il a les cheveux de couleur châtain clair et les motifs de sa bouteille sont les mêmes que son short. Et voilà pour Doocy Dude. Donc là, on voit bien que c'est lui et qu'il appartient bien au Dance Club. Et c'est une poupée populaire. Donc là, pour l'instant, nous avons obtenu Doocy Dude, Nightfall et His Royal Highness. Il ne nous reste plus que cette dernière surprise à déballer. Donc là, c'est une poupée LOL surprise et nous ne savons pas ce qu'il y a à l'intérieur. Seulement, la première couche a été déballée et il ne nous reste plus que le reste. Donc là, on va commencer le déballage. Là, nous avons les fonctions de la poupée. Donc là, on va retirer toutes les couches, une à une. Et là, on aperçoit le beau luau. Et enfin, la dernière couche. Donc là, on va ouvrir la boule surprise. Et on va retirer toutes les lots surprises qui sont à l'intérieur de la boule. Pour les ouvrir une à une. Donc là, on a retiré de chaque compartiment en tout 4 LOL surprises que l'on va ouvrir tout de suite. Et là, pas de chance, on reconnaît très bien la bouteille de Nightfall. À croire qu'on a obtenu un doublon. Et oui, effectivement, nous retrouvons la tenue de Nightfall. Donc on va ouvrir très rapidement le reste des sachets surprises. Donc là, on obtient les chaussures. Et là, on a la brochure avec tous les garçons. Et enfin, le sachet contenant la poupée. Et on obtient bien le doublon de Nightfall. Mais c'est pas grave, car on pourra le customiser. Donc il reste une dernière surprise. Donc ça doit être un accessoire, ça doit être les lunettes de Nightfall. Et voilà les amis pour cette petite vidéo d'unboxing de Poupée LOL Garçon. J'espère qu'elle vous a plu. Nous avons obtenu Doocy Dude, un doublon de Nightfall et sans oublier His Royal Highness. Cliquez sur le i pour répondre à la question « Lequel des garçons préférez-vous » Nightfall, Doocy Dude ou bien His Royal Highness. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans cette vidéo, j'aimerais faire une dédicace spéciale ou plutôt deux, à Shajara, Nournour et Shainez. Les filles, je vous fais plein de gros bisous
et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et pour les autres aussi, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour plus de vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur Fée des Jouets. Bye bye.